T'es sûr qu'elle en a jamais pris, ta copine? Mais attends, depuis le temps que tu me rabâches que plus c'est sain, plus ça marche. En fait, tu m'as jamais dit pourquoi t'en prenais pas. De quoi? Du cryo. En même temps, ça fait que 3 semaines qu'on est ensemble, mon amour. Oui, c'est vrai. Et du coup? Et du coup, je trouve ça contre nature. Je trouve que c'est pas normal de repousser la mort comme ça. Ça t'ennuie? Ah non, 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 pas du tout, non. Bah pourtant, toi, t'en prends. Oui, j'en prends, mais si tu veux, tout le monde en prend dans mon entourage. J'ai pas tellement envie de crever des années plus tôt que les autres. De vieillesse, en plus. Bon, et son cadeau, tu crois qu'il va lui faire plaisir? Oh oui. Oui. Tiens, à propos de cadeau, c'est mon porte-bonheur. Dans la famille, depuis toujours. Oui, et toi du coup? Bah ça me ferait plaisir que tu l'aies. Tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Non, non, vas-y, prends-le. Ok. Bon, je vais t'expliquer le procédé. Ouais. Mais attention, hein, tu gardes ça pour toi. Si les gens savaient avec quoi c'est fait, plus personne en prendrait. Oh hey. Et alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir 99 ans, vieux croûte? Oh, la ramène pas trop, toi, parce que t'es pas loin derrière, je te signale. Attends, bon, je te présente Patricia. Ah, la fameuse, hein. Ah, ouais, la fameuse. Bah, c'est pas trop tôt, mon gars. Oh, hey, j'ai 84 ans, moi, j'ai toute la vie devant moi. Ouais, ouais, ils disent tous ça. Enchanté. Patricia, Patricia, c'est quoi ton petit nom, déjà, ton famille? Pougier. Pougier? J'ai connu une Pougier quand j'étais petit, mais ça fait longtemps. Bah allez, entrez, installez-vous, faites comme à la maison. Et attends là, je t'ai dégoté une putain de végétarienne, c'est pas beau ça. Ah mais carrément mec. Attends, attends, depuis quand t'as les moyens de t'offrir 2 robots de combat toi? Pour des soirées plus animées. Allez, allez, installez-vous, tranquille, on se pose, on boit un coup, on se détend. Allez, allez, on se serre. Meilleur cadeau ever. En plus, sur le marché noir, les organes sains, ça vaut un max de thunes. Ah ouais? Attends, là, avec des cuisses pareilles, t'es tranquille jusqu'à Noël. Merci, Nestor. Du cryo bien frais, fabriqué par votre serviteur cet après-midi. À toi l'honneur. Ah bah, je vais me gêner, tiens. Bon, et toi, je suppose qu'il faut pas que je t'en propose? Ah non, merci. Bon, tu veux pas au moins manger quelque chose, boire un coup, je sais pas, prendre une part de quiche au lardon? Ah non, ça ira. En fait, je suis végétarienne. Bon bah écoute, tu vas crever jeune, mais au moins, tu crèveras en bonne santé. Allez, vas-y, goûte-moi ça. Tu vas voir, ça envoie. D'abord, je la liquéfie. Ensuite, je pasteurise, après un petit coup de centrifugeuse, et puis je lyophilise la molécule, et on se fait péter l'espérance de vie jusqu'à pas d'heure. Mais attends, il y en a pour longtemps là ou? Oh mais non, à peine une petite heure. Oh. C'est du cryo ça? Bah non, c'est du sucre glace. Chérie. Chérie. Oh, attends, attends, merde. Elle est en train de se réveiller, là. Oh, pas grave. Je lance la machine. Tu peux intuber. Désolé, chérie. T'es loin d'être un mauvais coup, mais... je préfère les vieilles.